Nous allons commencer cette séance à l'avant de notre tapis dans une posture debout, pieds joints. Sur ton inspiration, entrelace tes mains au-dessus de ta tête et étire-toi comme si c'était ton premier réveil. Et sur ton expiration, tu ramènes tes mains en prière devant ton corps. En quelques respirations hissées pour arriver sur ton tapis, ressentir le poids de ton corps comme attiré par la terre. Après ta prochaine expiration, laisse tes paupières s'ouvrir. Dépose ta main droite sur ta hanche droite et envoie ton bras gauche le long de ton oreille. Puis penche à droite en poussant bien tes hanches vers la gauche. De très fort dans ton pied gauche, relève ton buste et change de côté. En envoyant ton bras droit vers le ciel, tu déposes ta main gauche sur ta hanche gauche. Inspire, tu allonges. Et expire, tu penches sur la gauche en poussant ta hanche droite vers la droite. Et reviens au centre. Envoie tes deux bras vers le ciel, allonge dans ta colonne. Sur l'expiration, tu ouvres tes bras en cactus sur le côté. Relâche l'expiration et entrelace tes mains à l'arrière de ton dos. Essaye de presser tes paumes de main l'une contre l'autre tout en poussant ta poitrine vers l'avant. Tu arches ton dos. Plie tes genoux et bascule ton buste vers l'avant pour permettre à ton poing de se rapprocher de la terre. Ton ventre est connecté à tes cuisses. Garde tes genoux pliés autant que nécessaire. Ramène ton poing au niveau de ton coccyx et redépose tes deux mains au sol. Ouvre tes pieds à la largeur de tes hanches. Et commence à plier puis tendre tes genoux activement. Ta nuque et tes épaules sont bien relâchées. Le dos de tes mains connecté à la terre. Laisse à présent ta main gauche au centre de ton tapis. Et en envoyant ton bras droit vers le ciel, plie ta jambe gauche. Ouvre grand ta poitrine sur le côté et assure-toi de garder tes deux bras sur une seule et même ligne. Redépose ta main droite au sol à la place de la gauche. Et en envoyant ton bras gauche vers le ciel, cette fois-ci, tu plies ta jambe droite pour ouvrir de l'autre côté. Pousse très fort dans ta main droite pour ouvrir ton cœur sur le côté. Puis redépose ta main gauche au sol. Glisse tes paumes de main en dessous de tes plantes de pied et fais oui non avec ta tête. Relaxe bien dans tes épaules. Inspire, allonge dans ta colonne. Expire pour plonger et connecter ton ventre à tes cuisses. Coude ouvert sur le côté. Tu tires activement tes hanches vers le ciel, peut-être en maintenant tes jambes pliées. Ramène un petit peu plus de poids sur tes orteils pour sentir un étirement plus profond à l'arrière de tes jambes. Ressors tes mains d'en dessous de tes pieds et joins à nouveau tes pieds ensemble. Boute tes doigts dans le sol. Ramène ton poids sur ta jambe droite et fais léviter ta jambe gauche vers le ciel. Atterris ton pied gauche à l'arrière très loin. Et relâche ton genou arrière dans ton tapis pied pointé pour relever ton buste. Regarde bien loin vers l'avant en tirant ton sternum vers l'avant. Puis tends ta jambe droite en ramenant ton ventre à ta cuisse. Garde bien tes bras tendus vers l'avant. Replie ta jambe droite, pousse très fort dans ta main gauche et envoie ton bras droit vers le ciel. En pointant ton pied à l'arrière, tu envoies ton bras droit vers l'arrière pour accompagner l'ouverture. Continue de pousser activement tes hanches vers l'avant et laisse tomber naturellement ton genou avant vers l'extérieur. Redessine un grand cercle vers l'avant avec ton bras droit pour placer ta main à l'extérieur de ton pied. Flexe ton pied gauche, tends ta jambe. Et en poussant dans ta main gauche, envoie ton bras droit vers le ciel, easy twist. Deux bras sur une seule et même ligne. Pousse dans ton pied droit et tire ta hanche droite vers l'arrière. Tu vas alors pouvoir trouver un peu plus d'espace autour de ton cœur. Redépose ta main droite à l'extérieur de ta main droite. Et en poussant activement dans tes deux mains, ramène ton genou droit à ta poitrine, pied pointé. Planche à trois pattes. Retracte au maximum en repoussant le sol. Flexe ton pied, dépose-le sans un bruit entre tes deux mains.
Le pied gauche le retrouve à l'avant de ton tapis. Sur ton inspiration, main sur tes tibias, tu allonges dans ta colonne. Sur ton expiration, tu plonges en attrapant tes mollets par l'extérieur. Rappelle-toi toujours en pliant tes genoux si c'est plus confortable pour toi. Redépose le bout de tes doigts dans ton tapis. Bascule ton poids sur ta jambe gauche et fais voyager ta jambe droite très haute vers le ciel. Regarde ton tapis à l'arrière et atterris ton pied exactement sur ce point. Pousse tes hanches vers l'avant en ouvrant grand dans ta poitrine. Puis relâche ton genou arrière dans ton tapis, pied pointé. Pousse bien tes hanches vers l'avant avant de tendre ta jambe gauche demi-grand écart. Bras bien tendu vers l'avant. Replie ta jambe gauche, flexe ton pied droit et ramenant ton poids sur ta main droite, dessine un grand cercle avec ton bras gauche vers l'arrière. Pointe ensuite ton pied arrière et pousse tes hanches un peu plus loin vers l'avant, tout en laissant tomber ton genou gauche vers l'extérieur. Redessine un grand cercle avec ton bras gauche vers l'avant et dépose ta main gauche à l'extérieur de ton pied. Flexe ton pied droit et tend ta jambe. Envoie ton bras gauche vers le ciel, easy twist. Utilise l'énergie de la terre pour te soutenir en tirant ta hanche gauche vers l'arrière. Redépose ta main gauche à l'extérieur de ton pied, on est parti, tu pousses dans le sol pour amener ton genou à ta poitrine. Très bien, continue de repousser, l'arrière de ton cœur est bien rond. Puis flexe ton pied gauche et dépose ton pied délicatement entre tes deux mains. Le pied droit le retrouve. Sur ton inspiration, tu allonges dans ta colonne. Et sur ton expiration, tu plonges pour amener le bas de ton ventre à tes cuisses. En gardant tes jambes tendues, ouvre ton regard vers l'avant et relève ton buste, le dos bien droit. On va activer les muscles à l'arrière des jambes. Et on fait le chemin inverse en ouvrant les bras sur le côté. Tu rebascules ton buste bien droit, tes jambes bien droites vers l'avant. Et à nouveau, tu ouvres grand. Et tu redescends. Une dernière. Place tes deux mains dans ton tapis et fais deux pas à l'arrière pour trouver ta planche, pieds joints. Assure-toi que tes épaules sont bien au-dessus de tes poignets. Dépose ton avant-bras droit, puis ton avant-bras gauche dans ton tapis. Vérifie que tes hanches sont bien alignées avec ton buste. N'hésite pas à les baisser un petit peu plus pour sentir ta sangle abdominale bien engagée. Remonte sur ta main droite, puis ta main gauche. Et en maintenant tes pieds flex, bascule tes hanches vers la terre dans ton chien tête en haut modifié. Fais des mouvements de va-et-vient avec tes hanches pour permettre à ta poitrine de s'ouvrir un petit peu plus. Dessine une grande vague vers l'arrière pour retrouver ton chien tête en bas. Monte très haut sur la pointe de tes pieds, ramène son menton vers l'intérieur et depuis la base de ton coccyx, déroule vertèbre par vertèbre lentement. Bascule ensuite tes hanches vers la terre et ouvre dans ton cœur chien tête en haut. Plie tes genoux et repousse-toi à nouveau chien tête en bas. Et à nouveau quelques vagues d'avant en arrière à ton rythme. Peut-être en fermant tes yeux pour trouver une connexion plus profonde entre ton corps et ton souffle. On se retrouve dans notre chien tête en bas. Monte très haut sur la pointe de tes pieds et envoie ta jambe droite vers le ciel. Maintiens tes deux hanches bien parallèles et plie ton genou en tirant ton genou vers l'avant de ton tapis. Puis fais voyager ton genou à ta poitrine en basculant tes épaules vers l'avant. Et ramène ton talon gauche vers l'intérieur. Bascule ton poids sur ta main droite et croise ta jambe droite par-dessus la gauche pour arriver dans une planche de côté. Bras gauche le long de ton oreille.
puis redépose ta main gauche dans le sol et connecte ton genou à l'arrière de ton poignet droit. Tibia connecté à la terre pour ton pigeon. Sur l'expiration, tu plonges dans une petite vague vers l'avant. Et à nouveau, tu déroules vers le ciel et vers l'avant. Redépose tes plantes de main dans le sol. Laisse ton pied à l'arrière. Et envoie ta jambe droite vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Puis plie ta jambe et ouvre très grand dans ta hanche cette fois-ci en tirant ton genou vers l'arrière. Déroule ta colonne et en basculant sur le coin externe de ton pied gauche, dépose délicatement ton pied droit à l'arrière dans le sol. Baisse tes hanches vers la terre et dans une grande impulsion, tire-les vers le ciel dans White Pig en envoyant ton bras droit le long de ton oreille. Tu ressens l'étirement sur tout l'avant de ton corps. Redépose ta main et ton pied dans ton tapis, à dos mon carton chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel et monte très haut sur la pointe de ton pied droit. Garde tes deux hanches bien parallèles en ramenant légèrement ta hanche gauche vers l'intérieur. Puis plie ton genou et tire ce genou vers l'avant de ton tapis. Connecte ton genou à ta poitrine et en déroulant vers l'avant, ramène tes épaules au-dessus de tes poignets. Tourne ton talon droit vers l'intérieur et croise ta jambe gauche par-dessus la droite pour entrer dans ta planche de côté, bras droit le long de ton oreille. Avant de t'élancer en redéposant ta main dans le sol et ton tibia dans ton tapis pigeon. Inspire, tu ouvres dans ta poitrine. Expire vers l'avant. Et continue. Tu redéposes tes deux mains dans le sol et tu flexes ton pied à l'arrière. Genou poitrine, envoie ta jambe gauche vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Ouvre très grand dans ta hanche, plie ton genou et tire ton genou vers l'arrière. Puis déroule ta colonne pour déposer ton pied gauche à l'arrière dans le sol. Une grande impulsion et fais léviter tes hanches vers le ciel, bras gauche le long de ton oreille. Plus tu pousses dans ta main droite, plus tu permets à ta poitrine de s'ouvrir vers le ciel. Redépose ta main et ton pied dans ton tapis, chien tête en bas. Une profonde inspiration par ton nez. Et par ta bouche, expire, fais du bruit. Regarde entre tes deux mains. Saute ou marche pour placer tes pieds à l'extérieur de tes mains. Ramène tes hanches vers la terre et joins tes mains en prière devant ton corps. Et fais oui non avec ta tête en plaçant ton regard au-dessus d'une épaule puis de l'autre. Presse à présent le bout de tes doigts l'un contre l'autre pour ouvrir un peu plus grand dans tes hanches. Redépose tes mains dans le sol et on est parti pour notre Bakasana, la posture du corbeau. Tu peux ramener tes pieds ensemble, peut-être placer des blocs en dessous de tes pieds comme tu préfères. Place ensuite tes genoux soit à l'arrière de tes triceps, soit à l'extérieur de tes épaules. Bascule un peu de poids vers l'avant. Retracte dans tes épaules en repoussant au maximum. Naturellement, ton corps tient vite. Lorsque tu reviens, tu rebascules un petit peu de poids vers l'arrière et tu atterris tes pieds dans ton tapis. Tourne tes paumes de main vers le ciel et bascule complètement ta nuque vers l'avant. Nous passons à notre deuxième round. Tu as l'option de prendre une pause si tu préfères. Ou si tu veux aller plus loin dans ton Bakasana, tu peux faire un jump back à l'arrière pour trouver ton Vinyasa. Je m'installe dans mon Bakasana. Je bascule mon poids vers l'avant. Pousse au maximum dans le sol pour permettre à mes pieds de s'élever. Pousse très fort dans tes mains. Et effectue un grand kick avec tes jambes à l'arrière, Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut et expire à l'arrière dans ton chien tête en bas.
Monte très haut sur la pointe de tes pieds et dépose tes genoux dans le sol. Ouvre tes genoux à peu près à la largeur de ton tapis. Sur ton inspiration, tu arches ton dos. Et sur ton expiration, tu arrondis. Et encore, tu ouvres. Et tu repousses. Puis reviens au centre de notre. Tends tes bras vers l'avant et ramène ta poitrine vers la terre. Anahata, la posture du cœur. Option de placer ton front ou ton menton dans ton tapis en fonction de ce qui est confortable pour toi aujourd'hui. Pense à bien presser le dos de tes pieds et tes tibias dans le sol pour tirer tes hanches vers l'arrière. Doucement, à ton rythme, ressors de la posture. Retrouve une position assise sur tes talons. Place tes mains juste derrière toi et bascule un peu de poids vers l'arrière pour lever tes genoux hors de ton tapis. Retrouve une position assise avec tes jambes tendues vers l'avant. Flexe tes deux pieds. Sur ton inspiration, allonge dans ta colonne. Puis viens attraper tes pieds par le dessus, peut-être en pliant tes genoux si c'est plus accessible pour toi aujourd'hui. Inspire, ouvre dans ta poitrine. Expire, tu plonges complètement vers l'avant. Redéroule vertèbre par vertèbre. Replace tes mains derrière toi, doigts qui pointent vers l'avant. Pousse très fort dans le sol et lève tes hanches vers le ciel dans la posture de l'attaque, peut-être en basculant ta nuque à l'arrière. Puis redépose. Directement, ramène tes genoux à ta poitrine, soit à 90 degrés, soit tendu vers le ciel. Pour Navasana, la posture du bateau. Bras tendus sur le côté, paume de main vers le ciel. Continue de relever ton buste en tirant ton sternum vers l'avant. Puis attrape ta jambe droite avec tes deux mains et redescends ta jambe gauche vers la terre avec contrôle. Ramène ta jambe le plus près possible de ton visage. Tu peux également plier ta jambe gauche si c'est plus confortable pour toi. Garde ton pied dans ta main gauche par l'extérieur et dépose ta main droite à l'arrière. Bascule un peu de poids vers l'arrière, puis plie ta jambe gauche pour amener ton talon à l'extérieur de ta hanche. Dépose ensuite ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse gauche. Inspire, allonge dans ta colonne. Expire pour twister. Après ta prochaine expiration, relâche. Dépose ta main gauche derrière toi à côté de la droite, en basculant ton buste vers l'arrière. Et tu tends. Tu plies. Et tu tends. Lorsque tu plies, tu connectes uniquement la pointe des orteils au sol. Maintiens toujours ton buste bien droit. On garde nos deux jambes tendues en l'air, c'est parti, bras le long de ton corps. Ouvre grand dans ta poitrine. Tu attrapes à présent ta jambe gauche et tu laisses tomber ta jambe droite avec contrôle vers la terre. Ramène ta jambe gauche le plus près possible de ton visage, mais pas au détriment de ton dos. Ton dos reste bien droit. Attrape à présent ton pied par l'extérieur avec ta main droite et place ta main gauche derrière toi. Ta jambe droite est toujours tendue, active, le pied pointé. Passe à présent ton talon droit à l'extérieur de ta cuisse gauche et ton pied gauche à l'extérieur de ta cuisse droite. Torsion.
Soit tu enveloppes ta jambe, soit tu places le coude à l'extérieur de la cuisse. Doucement ressens et place tes deux pieds à l'avant de ton tapis, jambes pliées. Attrape tes tibias par l'extérieur avec tes deux mains. Sur ton inspiration, tu ouvres dans ta poitrine. Et sur ton expiration, tu arrondis l'arrière de ton corps pour doucement et avec contrôle venir t'allonger dans ta posture finale. Shavasana. Le cadeau d'une relaxation profonde que tu offres à ton corps et à ton mental. Commence à approfondir ta respiration. À trouver du mouvement dans tes doigts, dans tes orteils. Est-ce que ta tête à gauche, puis à droite. En maintenant tes yeux fermés, tourne-toi sur le flanc gauche de ton corps en position fœtale. Utilise le soutien de la terre pour te repousser dans une posture assise qui t'est confortable. Deux mains sur tes genoux, yeux fermés. Un instant pour noter les différences dans ton corps. Pour observer toute émotion, pensée, sensation qui t'habite à cet instant présent. Joins tes mains en prière devant ton corps. Et en signe de gratitude et d'amour pour ton corps et ta pratique aujourd'hui, incline-toi vers l'avant. J'espère que cette séance à mes côtés t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu as apprécié cette séance, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai un nouveau cours par ici. Si tu souhaites élever ta pratique du yoga, la flexibilité et des inversions à mes côtés, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne, je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Tu peux accéder gratuitement pendant 7 jours à une vaste librairie de cours pour toute durée, toute intensité et pour toute occasion.
Merci pour ta confiance et je te dis à très vite sur ton tapis.